Yo les gars, c'est Jeffrey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en Club Pro encore une fois pour la suite de la série Comment faire le meilleur. Et cette fois-ci, c'est Comment faire le meilleur ailier après Comment faire le meilleur MOC qui vous a énormément plu. J'ai vu plus de 300 vues à l'heure où je tourne la vidéo. Et cette fois, je suis en compagnie d'un vrai ailier, Monsieur Marwan. Hello les Hello les gars. gars. Alors c'est parti, on va voir directement avec lui. Donc c'est en fonction d'où il a mis les points de compétence et moi je compléterai avec lui pour l'aider parce que il est pas en stress. Non, Bye. Ah ça va alors. Alors ouais. déjà on va dans physique, tu sais. Vas-y. Donc t'as mis trois forces, logique pour les ailiers, ça pour ajouter un petit peu, mettez-les les trois, je pense que c'est mieux. Parce que souvent ils se font un petit peu bouger les ailiers par les latéraux. C'est C'est ça, un peu con. Ensuite, tu as mis 3, enfin 4 endurances, ouais. pardon. 4 endurances, ouais, 4 4 endurances, endurances, et et on on rappelle rappelle que que si si j'ai j'ai pas pas la la totalité totalité des des points points de de compétence, compétence, et et du du coup, coup, ouais, ouais, 4 4 endurances endurances parce parce que que c'est c'est important. important. Ouais. Surtout pour nous, on fait beaucoup de retours, Ouais. les ailiers dans notre équipe, du coup. C'est C'est pour ça qu'il en a mis 4, je pense aussi. ça. Ouais, pour défendre Défendre et et ensuite ensuite le le pouvoir pouvoir en en attaque. attaque. Ouais. Voilà. Alors, agilité, bon, ça, trop important, hein, c'est logique pour les ailiers. Et du coup, ça met l'équilibre aussi, mais ça arrange, hein, d'un côté. Dribbler et tout, c'est fort. Ouais, 4 agilités, les 3 équilibres, souplesse et équilibre, et spécialité agilité aussi pour améliorer encore une fois l'agilité et l'équilibre. Donc, ça, c'est bien. C'est tout pour la colonne de gauche. Ensuite, colonne de droite, tout. Après, c'est sûr qu'il y a tout qui est important là-dedans pour les ailiers. Les dribbles, Le fait amélioration de d'améliorer. dribble. Ouais, Ouais, le le flair flair aussi, aussi, très très important, important, les les gars, gars, mettez-le. mettez-le. Ouais, c'est vrai que pour étalonnade et tout, enfin, même jouer vite, au lieu qu'il se retourne complètement, il a fait directement, même s'il est de dos. La passe. Ok, ensuite les passes. C'est surtout les centres là qui sont intéressants et l'effet. Pour les Pour les ailiers, ailiers, très très important pour important, centrer et centrer et tout. tout. Et Et du du coup, coup, là, là, on on retrouve retrouve avoir avoir 91 91 d'effets, donc c'est énormément de énormément tickets. kiffé. Ça, c'est sûr. Hein. Centre aussi, c'est bien. Hein. 80, enfin 88, ça va atteindre. Donc, c'est bien. Effet aussi, il faut le mettre. Au moins, ça enroule bien le ballon ou ça l'extériorise selon comment vous le prenez. Après, pas besoin de poumettre non plus en passe, hein, ça suffit. Hein. C'est déjà de grosses stats, hein, putain. Comparé à moi, MOC, c'est. Enfin, après, je me suis mis en AT, moi, mais c'est largement supérieur, ça c'est sûr, niveau passe. Après, je trouve dans le jeu, les Niveau passes, passe, c'est c'est aléatoire. Des aléatoire. Des fois, tu fois, peux tu peux avoir en avoir 90 qui 90 va qui te va foutre te des passes dépasser en en touche. touche. Donc, Ouais, c'est vrai. aléatoire. Comme on l'a vu dans la vidéo du MOC. Ensuite, dans les tirs, donc deux tirs de loin, deux finitions et trois améliorations de tir. C'est sûr qu'il faut les mettre, les tirs, parce que justement, ça améliore au niveau des passes quand on est lié. Mais ça réduit beaucoup les tirs. Du coup, il vaut mieux en mettre quand même quelques-uns pour assurer une bonne finition. D'ailleurs, les trois finitions du milieu, t'as mis. Oui, Oui, c'est c'est ça. ça. Du coup, enfin, on est un petit peu obligé de mettre les volets quand on met les trois finitions. Mais c'est pour aller chercher la quatrième étoile de mauvais pied. Très Important. important. Ouais, Et c'est vrai. aussi. Surtout cette année, j'ai l'impression. Pour croiser, il faut avoir un bon pied droit si on est gaucher ou un bon pied gauche si on est droitier. Du coup. Après, un petit point, il reste un petit point, on l'a mis en coup franc. Enfin, tu l'as mis en coup franc. C'est ça. Et ensuite, dans la vitesse, là, on bombarde, hein, il faut courir vite. Vous mettez tout sauf le dernier, même si vous pouvez le mettre à la rigueur. Si vous voulez changer quelques points, ça vous fait. Passer de 93 à 95 et 93 en accélération. 94, pardon, en accélération. Quand vous aurez le Quand point vous de aurez le point de compétence, compétence, franchement, franchement, mettez-le le mettez-le le dernier, dernier, ça va ça va être être incroyable. incroyable. Ouais, c'est sûr que ça doit être magique d'être rapide comme ça. Donc la vidéo touche déjà à sa fin, les gars. Donc du coup, ouais, il y aura du gameplay derrière, hein, pour assurer une bonne vidéo. J'espère que celle-là vous plaira tout autant que la dernière que j'ai faite. Et bien sûr que ça va arriver encore fort si ça vous plaît. Pour les Ben, ben, ben. buteurs, Ben.
pour les buteurs, pour les défenseurs, pour les gardiens, pour les latéraux, il y aura tout. On sera équipé. Donc sur ce, merci d'avoir regardé. Abonnez-vous parce que je vois que vous êtes plein à regarder la vidéo à chaque fois, mais peu à vous Ah abonner. oui, Donc, vous. faut franchir au moins les 100 abonnés là. Ne Et pas puis, lier. ouais. Donc sur ce, merci à tous d'avoir regardé. On se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Et à la prochaine.